Salut à toutes et à tous, c'est Koinski, j'espère que vous vous portez bien, on reprend avec l'Empire Romain et le bon empereur Théobaldo Manuelez. 53 ans, encore toutes ses dents, mais quand même pas mal de balafres, il est blessé, il est unijambiste. Bon, toutes ses dents, mais pas toutes ses jambes. Et donc, peut-être qu'il va mourir de manière un peu plus prématurée que les empereurs précédents, c'est bien possible. Donc on va avancer. On va rançonner. On va accélérer un peu plus le temps. Et voir ce qu'on peut encore éventuellement faire avec lui. Alors on peut créer des royaumes, très bien. Est-ce que je ne l'avais pas déjà fait? C'est possible qu'ils aient été détruits ou pas? Ça ne coûte pas très cher. On va faire le Pays de Galles. On va faire ce royaume-là. Boum. Alors tant que je ne dépasse pas la limite, c'est très bien. De vassaux, je veux dire. On est à... Combien de vassaux? Si. 57 sur 60, ça va encore. Alors, je vais regarder un petit peu, parce que j'ai pas de conflit personnel pour le moment. On a quelques rois puissants qui nous aiment pas. Il faut absolument qu'on remonte ça. On va commencer par lui. Cette mauvaise influence est causée par plein de trucs, mais... Voilà, quand ils sont puissants et qu'ils veulent siéger au conseil, ça cause problème. Et la disgrâce que j'avais acceptée, bah de mauvaise grâce, mais pour cette fameuse guerre perse, me coûte 20 en opinion de tout le monde, sans doute. Donc ça, c'est quand même un peu embêtant. Mais ça n'a pas duré plus longtemps que le reste de la vie, évidemment, de Théobaldo. Je doute que ça dure vraiment encore très très longtemps. On a perdu le très blessé. Ok, j'ai rien dit. Il peut encore vivre assez longtemps. Les impôts augmentés, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Des duchés, non. Ça m'intéresse pas. Un festin. Allez hop, on y va. Le festin en admiration. Très bien, il reconnaît le véritable intellect. Chez soi. Tout le monde me trouve génial, c'est super. Et sur le retour. Alors je pourrais peut-être moi-même essayer de monter un petit peu l'opinion des autres envers moi. On va organiser un banquet. Des choses en commun. L'impératrice Margrethe. Ben oui, quand même. Il vaut mieux, c'est ma femme. Un repas avec un ami. Le roi Gilles. Gilles, nous mangeons, buvons et chantons ensemble, comme si nous ne nous étions jamais séparés. Nous aurions pu dîner dans une grange, et cela aurait quand même été l'un des plus grands festins de ma vie. Quelle serait la vie sans Gilles? L'amitié revigorée, ok. On avance. Je pourrais faire des petites guerres pour récupérer des petits morceaux. Je pourrais fabriquer des petites revendications aussi. Alors on va transférer ça, oui. Modifier le contrat du roi Lorenzo. L'opinion n'est pas géniale, on va pas le faire. Il a déjà des taxes élevées, ça me suffit. On a influencé le roi une première fois, on va peut-être le faire une deuxième. On est encore à moins 9, c'est pas terrible. C'est moins qu'on puisse dire. Alors on a de l'argent, on va refaire des choses dans mes domaines. Le départ des invités. Opinion plus 20 envers nous pendant 10 ans pour tous les invités. C'est bon. Et on est donc reparti dans les domaines en Léon. Hein. On connaît bien Léon, c'est notre berceau, notre foyer. Et en tout cas avant que Rome, Constantinople d'ailleurs, devienne la capitale et puis Rome. On va améliorer tout ça. Viser l'argent en premier peut-être. Sinon, on peut améliorer d'autres choses. Le côté militaire, c'est toujours bien. Alors, château 2, on va passer au niveau suivant ici, obligé, si je veux continuer à construire en tout cas. Il nous reste 2600, on va redescendre à 2000, disons, pour être toujours à l'aise, pour ne pas risquer les problèmes. Et puis, on va aller améliorer encore Rome aussi, si on peut. Et on peut. Enfin, 1900, allez, j'ai quand même envie de faire tout le tour.
Quartier du Pèlerin. Plus de piété, tiens, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors également, je devrais éventuellement, aux endroits où je peux, créer des propriétés quand c'est vide. Donc on va faire le tour maintenant. On va faire des châteaux, hein, a priori. Hop. On va regarder s'il y a d'autres endroits vides. Là, c'est en construction. La motte est en cours de construction, mais c'est tout. Ok, cool. On est reparti. Aller chasser, non. Un secret dévoilé. Mon vassal, le roi Gilles, mon ami, a accusé mon neveu, le roi Velasco, d'avoir commis la sodomie avec son amant Nuno. Ça ne peut pas être ce que veut le seigneur. Bon, j'ai pas le choix de toute façon ici, donc on accepte. Bon, on va regarder si on peut pas récupérer des petits trucs en déclarant quand même une petite guerre. On va pas rester à rien faire. Et des petites, hein, parce que je veux pas prendre trop de risques ici. 4900 hommes. Pas d'alliés. Ah, je peux... Demander au pape. Jamais vouloir le pape, évidemment. Garde un mauvais souvenir de moi, le pape. Le grand-duché de Pologne. Âge des revendications, c'est pas génial, génial. Hein. Généralement, ils mettent le meilleur objectif possible. Voilà, est-ce que je vais quand même m'amuser à faire des petites guerres pour grappiller ces petits morceaux, franchement. Ça va plus changer grand-chose. Hein. Laissez-les-moi un petit peu défiler. Un festin. Allez, on va profiter de la vie, là. J'aime bien quand mes empereurs qui ont bien performé profitent à fond de la vie en fin de vie. Je trouve c'est normal. Le festin. Connaissance en difficulté. Ma connaissance Agathe me lance un regard suppliant. Elle s'est réfugiée dans un coin. Elle veut raser les murs. On l'en empêche. Allez, je vais distraire les invités qui veulent l'approcher. Ou alors, Agathe, venez nous raconter une histoire. Tout le monde vous écoute. Tous les invités obtiendront 10 d'opinion envers moi. Et elle 20 en moins. C'est qu'une comtesse. Allez Agathe, venez nous raconter une histoire. Tiens, ça fera rire tout le monde. Bon. Un partenaire de conversation. Conversation intéressante. Alors, chancelier, c'est le moment de mettre peut-être quelqu'un qui est puissant. Et qui m'aime pas trop. Donc la première ou le premier, c'est elle. Le roi de Danlao. Bon, il a 16, ça me convient. En même temps, il est à plus 8, ça va aussi. On va mettre quelqu'un de bon. La duchesse. Je préfère. Les souvenirs restent. Antimos, c'était mon ami. Heureusement, j'en ai plein d'autres. Alors, nouvel atout en diplomatie. On va aller vers Patriarche. Un conseil d'amis. Chaque ami vous donne 2 points d'aptitude aléatoire, 5 au maximum. Et là, j'en ai pas mal, normalement, des amis. Les amis. On est à 24, 9, 9, 14, 11. 24, on était à 9, 13. 16. Et 9, 9, je pense. 11. Donc, on a gagné quand même pas mal. On a gagné beaucoup en ruse. Pourquoi pas? C'est aléatoire. Chaque enfant vivant vous donne 1 point d'aptitude aléatoire. On peut se booster avec ça, dis donc. J'ai 7 enfants quand même. Hein. Pas mal. Sur le retour, quel festin ce fut. Je perds 61 de stress. Bon, j'étais pas stressé, mais c'est quand même beaucoup. Hein. Allez, un festin, ouais, on enchaîne. On va se gorger. Jusqu'à éclater. N'oublions pas aussi que, voilà, je serais pas content de passer au suivant, parce que pas mécontent, parce que il a plus de piété. C'est le moins qu'on puisse dire. Il veut que j'éduque le jeune Ivan. Donc c'est bien présomptueux de penser que l'empereur va élever ton fils. Normalement, il viendra à la cour. T'intéresse pas trop ton gamin, là. Et hop. Retour à l'envoyeur. Le roi Lorenzo, on l'avait dit que je voulais pas trop le changer, ça. Donc,
Enlever. Des rançons, pourquoi pas, ça me sert pas à grand chose de les garder, à moins de les exécuter. Je pourrais le faire, mais j'ai pas vraiment de problème de rébellion possible pour le moment. Le roi est influencé, attendez. On est à plus 43. On va s'arrêter là, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal, on va trouver un autre vassal récalcitrant. Et puissant. Voilà, lui est puissant, il est à moins 11, donc... ce serait bien qu'on monte un peu nos relations quand même. Alors mes vassaux peuvent éventuellement prendre des territoires aussi, c'est pas moi qui dois faire tout le boulot. On a plein de rois, eux ils pourraient faire la guerre. Et si on regarde les règles d'autorité de la couronne, on est à 3. Les vassaux ne peuvent pas engager de guerre contre les autres vassaux, à moins qu'ils utilisent un hameçon. Mais ils peuvent engager des guerres contre d'autres personnes, donc il n'y a pas de problème. C'est pas limitant. Pourrait très bien gagner du territoire. D'ailleurs, il y a un moment donné, quand j'étais encore en Espagne, on a gagné pas mal de territoire au nord de l'Afrique parce que je pense que des vassaux s'étaient un petit peu sortis les doigts et avaient fait quelque chose. Là, pour l'instant, c'est quand même relativement calme. Bon, peut-être Morée, on pourrait faire quelque chose. Ouais. On est déjà vachement en négatif en gloire, je vais... Enfin, on est plus en négatif, mais non, je vais pas le faire. Commander une épopée familiale. Allez, hop. On va prendre une conteuse accomplie, la meilleure possible. Ok, alors, prendre du prestige maintenant, bon, ça servira plus à grand chose. On va prendre plus de renommée. Construction, comment ça s'achever? On va pouvoir refaire un tour bientôt. L'épopée familiale, un inconvénient. Oh, elle est plus à ma cour. Bah, il lui est difficile de poursuivre le travail. Hein. Zut. Les scribes prendront la relève. Dommage. J'ai appris qu'un moine réputé pour ses enluminures se trouve dans une ville de Farfa. Ce serait utile. Embaucher un enlumineur, quel qu'en soit le prix. Enfin, ça, on sait rien. C'est une goutte d'eau, ça. Écriture interrompue. Certains de mes scribes ont été surpris en train d'essayer de se soustraire à leur devoir concernant l'épopée familiale. Heureusement, un garde les a repérés alors qu'ils franchissaient les portes. C'est un travail épuisant, nous y passons jour et nuit, monseigneur. Nous avons désespérément besoin de quelques jours de repos. Enchaînez-les à leur table de travail. Oui. Un secret dévoilé. Mon ami le roi Eustache a apporté des preuves indéniables que Héracléios a été engendré par personne d'autre que lui. C'est qui Héracléios? Prince de Bar. Ok. Qui l'eût cru? Engagement éternel. Il semble que Kirill ait lu mon épopée familiale. Donc lui, c'est mon patriarche. Hein. Pauvre patriarche, hein, d'être patriarche d'un mécroyant comme moi. Un mécréant. Il a découvert des décalages entre des promesses faites par le passé et la situation actuelle. Ah. Ouf. Pas envie de perdre de l'intérêt par rapport à, enfin, de la relation, mais... Bon, on perd un peu de contrôle dans une incontée, mais c'est pas bien grave. On obtient foi et gloire, pourquoi pas. On dit pas non, on dit pas non. Manipulation, j'y ai à peine fait attention la première fois, mais mon vassal, l'infant Ivan, est de plus en plus effronté. Je vais l'ignorer et voler ses idées. Pas mal. Me moquer de ses pleurnicheries continuelles le fera-t-elle. Il recevra des tâches impossibles à accomplir.
Ou comment osez-vous provoquer votre empereur? Je vais voler ses idées. Allez, un festin. Alors, on va quand même ralentir un tout petit peu. Il y a un truc que je voulais faire. Peut-être quand même que l'amitié avec l'Empire Perse sera utile. J'ai placé l'Empereur Perse à la tête de l'Empire. Je veux dire, il me doit tout, quoi. Hein. C'est mon ami. En plus, c'est un laquais hardi. Bon, alors au niveau de l'héritage, on laisse tomber. Hein. C'est de toute façon des hommes et c'est héritage... ouais, c'est homme... partition confédérée, homme seulement. Donc bon... on verra comment ça va tourner. Mais est-ce qu'on pourrait peut-être faire une petite alliance? Apparemment non. Mais on pourrait le convertir à la sorcellerie, ce serait toujours drôle. Ouais, j'ai un autre complot en route, mais j'ai envie de le convertir. C'est mon ami. Il mérite de tout savoir sur le dieu cornu. Et les grands avantages qu'il donne. Bien, une épopée familiale. Mes scribes ont terminé la chronique épique de ma famille et ont de quoi être fiers. On gagne 75 en gloire et 75 en renommée pour la dynastie, ce qui n'est pas si naze. Narcès, venez nous raconter une histoire. Venez, venez. Il est quoi, lui? Il est duc. La coupe vide. Était-ce le son d'une coupe vide? Me demande le roi Enrique, complètement en panique, alors que je viens de poser ma coupe sur la table. Plus de vin ici, personne ne doit avoir soif. Je vous remercie mon frère et ami. Bon allez hop, c'est bon, on a mérité, on va devenir ivrogne. Quelle vie on a eue. Pas fini. Mais bon allez, on s'est fait couper la jambe, on a vécu plein de guerres, on a... C'est pas lui qui a formé l'Empire romain, je pense que oui. Hein. C'est vraiment, vraiment un bon moment. Allez chasser. Allez hop, sonnez du corps. On y va. Abattre l'animal. Je vais l'abattre, poussez-vous. De retour des contrées sauvages déjà, tiens donc, c'est pas passé grand chose. Ah, mais bon, c'est pas désagréable. On va regarder un petit peu les titres. Toujours des petits duchés, ça m'intéresse pas. Frappé par la goutte, le traitement. Ouh là là, oh non, ma deuxième jambe. Ma deuxième jambe et frappe mon deuxième pied. Frappé par la goutte, Je vais être premier empereur. Non pas unijambiste, mais zéro jambiste. Oh là là, empereur Kudjat de l'Empire romain, ça le fait pas trop quand même, hein, niveau, je veux dire, aura personnelle. Mais il est trop tard pour la prudence. Allez, allons-y. Je ne pouvais pas en croire mes yeux lorsque Hermenegildo sortit une main coupée de sa sacoche. Les taches noires sur ses doigts m'ont fait froid dans le dos et je lui ai demandé où il l'avait obtenue. Il m'a seulement demandé de me taire et à frotter la main coupée sur ma poitrine. Ah, j'ai cru que c'était la mienne, dis donc. On peut avoir la goutte dans la main ? Je pense pas. Le traitement était presque aussi désagréable que mes symptômes, mais il semble avoir été efficace. Bien que je ne sois pas complètement guéri, et je me sens beaucoup mieux. Ou alors c'était vraiment ma main? Attendez, on va aller voir. Symptômes réduits. Non, non, mais c'est bien le pied quand même, hein, mais non, non, c'était pas ma main. Ça va. Avec ces médecins, je sais plus. Moi, je vois une main coupée, je pense que c'est la mienne directement. Que vous comprendrez mon trouble. Proposer une alliance. Oh, c'est qui ça? Un émir. Donc c'est comme un duc, je pense. 1400 hommes, mais d'où tu viens, toi? Est-ce que tu crois? Moi, je voudrais bien être allié avec l'Empire Perse, mais... Je pourrais arranger un mariage, cela dit, peut-être. Faut sans doute avancer dans la branche, dans une certaine branche pour pouvoir avoir des alliances en les mariages. Donc, alors qui pourrait-on marier?
Il y a ma fille encore. Faut pas que ça donne une alliance, cela dit. Non, non, il faut que j'aille voir. Il y a elle, ça voilà, arrange un mariage avec sa fille. J'ai des petits-fils, mais je crois pas que ça marchera pour. Ça marchera pas, les petits-fils. De toute façon, ça marche pas. Il veut pas. Bon, s'allier avec un vassal, ça peut pas être mauvais parce qu'il pourra pas se mettre dans les factions contre moi. En plus, c'est mon fils. C'est l'héritier. Alors, est-ce qu'il monte bien en piété? 310 et il est fidèle. C'est pas mal déjà ça. 2-7 par mois, il monte tout doucement. Le but étant qu'il mette fin au grand schisme et qu'on puisse avoir la religion catholique surtout tous à la place de l'orthodoxe, je pense, c'est ça qui va se passer. Après, si j'arrive à faire ça, ben on regardera si on peut pas un peu la réformer. Ça coûte aussi pas mal de fois, je pense. Allez, festin. Ce qui a commencé comme un banquet quelconque est devenu exceptionnel grâce à la présence de la duchesse Lyra. Ok. Un dilemme. Pour avoir un ami encore en plus, pourquoi pas. Le temps est venu d'adopter la sorcellerie, ô grand empereur de Perse. J'espère qu'il est prêt. Oh non. Esprit fermé, cœur de pierre. Tant pis. Tant pis pour lui, hein. Fondation solide. Chaque enfant vivant donne un point d'aptitude aléatoire. En vrai, je pense que j'en ai 7. 24, 13, 11, 16, 13. Bon, on a gagné un petit peu partout. Très bien. Et après, on aura Patriarche. On regardera ce que ça fait au moment où on l'aura. Les souvenirs restent. Un ami est mort. Alors, on va quand même regarder si on peut pas faire une petite guerre contre un truc un peu plus gros. Mais il faut quand même que ça vaille la peine. Je pourrais faire comme j'ai fait pour l'Empire, c'est-à-dire... pour les royaumes. Il faut que ce soit des titres de royaume, pas plus, quoi. Donc, bon. Quand même plus très très grand à mon niveau. Genre Taert, si j'invitais quelqu'un qui a une revendication dessus, on pourrait déclarer la guerre assez facilement sur tout. Province impériale, ok. On pourrait toujours... Ouais, on pourrait récupérer la province impériale, honnêtement. Honnêtement, pourquoi pas. On va lever les troupes locales. On va essayer de ne pas faire trop. Ça paraît déjà pas mal, hein. Je vais m'arrêter là. Ok, je crois que c'est bon. Hop, on a 33 000 hommes. C'est un chouïa beaucoup. On pourrait peut-être commencer là. C'est là que... Ouais, on ne saura pas d'un coup, mais on peut aller là. On va prendre ça et avancer assez vite vers la capitale. Voilà. 4000 hommes, c'est rien. Et ici, qui dirige? Pas génial, mais on va plutôt accélérer. Voilà, lui, il est vraiment bien. Il a 31 plus. La caractéristique de siège, ça, c'est bien. On
Petite bataille pour se mettre en jambes. Ça n'a pas été trop handicapant finalement de me retrouver avec un prestige négatif. Enfin, une gloire même plutôt. Pas le prestige, la gloire. Ouh, le patriarche a reçu 30 d'opinions envers moi. Grâce à la rhétorique. Hérésie vaudou en Algarve. Tiens donc, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des hérésies. On est déjà à 80%, ça va finir la guerre a priori. Voilà. Bon, du coup, on a une propriété au-delà du domaine de la limite. On a récupéré quelques-unes. On va donner, hein, on va donner. On peut usurper par contre également ici, ça c'est bien. Ça, je reviens en dessous de la limite. Tant que j'ai pas besoin de baisser mon nombre de vassaux, on va garder ça pour nous. Et quand on aura trop de vassaux, bah, on créera éventuellement le titre, s'il n'existe pas. Et on donnera ça à quelqu'un. Les réfugiés religieux. À cause des vaudois, d'accord. Bien. On avance bien. On va avancer tranquillement. On va voir un peu ce qui nous arrive. Le festin, je me fais renverser des trucs dessus. Du vin. On peut le prendre à la rigolade. On a pris un peu d'un bon point encore, j'ai l'impression. Et on rentre. Maintenant, on est festoyeur légendaire. Je sais pas si j'ai déjà été festoyeur légendaire. C'est énorme. C'est ça? Non? C'est au-dessus, non? Ouais. Diplomatie plus 4, intrigue plus 3. Opinion pour le groupe de traits en commun, festoyeur plus 20. Bon. On va relancer les constructions, j'ai 10 000. Ça me paraît pas mal. Hein. C'est parti. On fait le tour. Des propriétés. Là, c'est déjà en train. Et on va aller à Rome. Oh, on est au max ici. Et ici. Aussi. Je pourrais améliorer les petites propriétés qu'on a récupérées là, mais peut-être que je les filerai après, donc je suis pas trop sûr. Bon, allez. Le titre duché de Zam n'est pas détenu par vous et donc du coup... Ah, il faudrait que je crée le duché pour que ce soit effectif. Taille de levée plus 20% pour ce duché. Bon, on s'en fiche un peu. Honnêtement, on s'en fiche un peu. Allez, ma gloire est bien connue déjà. On est pas mal remonté, hein. Sans trop de difficultés. On pourrait peut-être prendre le reste. Je sais pas si la trêve est déjà finie. On a usurpé le titre, donc on devrait pouvoir déclarer la guerre. Ah, la trêve n'est pas finie.
Allez, on est ivrogne maintenant. On était déjà avant, il me semblait. Salutations, mon féroce seigneur Lige. Oh. Il veut que je lève des obligations sur l'église. Impôt théocratique réduit pendant 10 ans. Vous prendrez moins d'hommes. C'est pas ça qui me fera pour le grand schisme, ça n'ira pas, je n'aurai jamais assez. Je suis celui qui accomplit l'œuvre de Dieu. Allez hop. On le vire, on le dégage. Ma fille a donné naissance à une fille, d'accord, Milia. Gilles peut se marier. C'est mon demi-frère et chevalier. Tiens donc. Un demi-frère, ça marche pour les alliances. Jamais que mon demi-frère. Ils ne peuvent pas se marier. Quoi me proposes-tu alors ? Parenté, c'est pas grave. Hop. Alors, j'ai une propriété au-delà de la limite. On a la diplomatie. Donc, patriarche, cool. Patriarche qui permet de avoir plus 20% de fécondité. Bah, mon âge, écoutez. Perte de stress, plus 20%. Opinion de la proche famille, plus 15. Opinion de la maison, plus 10. Ouais. Ouais. Ok. On va rester en diplomatie parce que c'est là où j'ai le plus de facilité. Avec ce personnage-là. Alors, on va enlever un domaine. Bah, mon demi-frère qui vient de se marier, ce sera son cadeau. Ce sera son cadeau de mariage, tout à fait. Tout à fait. Je vais élever ma fille. Et voilà. Bah écoutez, voilà, on va s'arrêter pour cet épisode-ci. Ça avance hein, tout doucement, tout doucettement. Je vais plus vite maintenant. Mes objectifs étant quasiment accomplis. Et puis je voudrais bien passer au suivant. Qui m'intéresse fortement pour vraiment travailler à lui sur sa piété. Hein, on a beaucoup d'argent, on fera des pèlerinages. Et on devrait pouvoir... Il gagne pas tant que ça, hein, mais en bossant un peu dessus, il y aura moyen de monter plus vite. Pour en faire un vrai croyant. Intérêt autorité, ouais, on le changera pour érudition sans doute. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses, merci beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt, salut à tous.